Bonsoir, bonsoir. Euh, le temps qu'on se connecte, j'essaie un peu de faire euh, le partage très rapidement sur euh, euh, ma page Max Seigneur Officiel Alpha. Euh, Max Seigneur Officiel, oui. Et je vais vous demander, par la même occasion, de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube. C'est très important parce que Facebook, vous le savez très bien, toutes les restrictions qu'on subit avec Facebook, on, on ne peut plus rien. On ne peut plus rien avec Facebook. Ça ne vaut pas la Ça ne vaut vraiment... Ça ne vaut vraiment pas la peine. Je dis souvent ça, après je reviens, je dis ça, je reviens chaque fois parce que beaucoup de personnes sont connectées sur Facebook, mais à un moment donné, on n'y on peut rien. Donc, on va se concentrer sur YouTube et sur Twitter uniquement. Facebook, ce sera seulement pour faire des posts comme ça, mais quand on veut faire des vidéos explicatives, on va seulement les faire euh, sur YouTube et sur Twitter. Donc, merci beaucoup de vous connecter, de partager massivement parce que... Ce soir, mon message est un message de sensibilisation. Bipez tout le monde. Bipez-moi les sorciers homophobes du Cameroun. Bipez-moi toutes ces personnes qui manquent cruellement d'humanisme. Bipez-les. Au nom de quoi Est-ce que vous allez vous lever et lyncher Quelqu'un, juste parce qu'il a une orientation sexuelle différente de la vôtre. bipez moi tout le monde. Ah. Ce sera chaud, hein. Ce sera très chaud parce qu'on n'aura pas, on n'aura pas d'audience ce soir. À ce rythme-ci, on n'en aura pas. Parce que la page a trop de problèmes. Donc, partagez seulement un maximum pour que ceux qui ne pourront pas se connecter regardent la vidéo après. Donc, s'il n'y a pas assez de partage, ça ne vaut même pas la peine que je fasse le direct. Donc, il faut partager massivement. Je vous laisse 3 minutes de partage et après, on commence. Dès qu'on atteint un certain nombre de partages raisonnables, on commence la vidéo. On commence les problèmes parce que je suis là ce soir pour faire des problèmes. J'ai vu certaines personnes venir me demander ce que moi j'attends pour être homosexuel. Euh, les gars, je suis homosexuel. Venez aussi me lyncher. Venez me taper, venez me tuer. On détourne vos milliards, vous ne dites rien. Et quand je vois, ce sont les souffreteux, les personnes qui passent la nuit avec le Benzikin pour gagner 1500 francs, pour gagner 1000 francs, 2000 francs la journée. Voilà les personnes qui voient quelqu'un et puis ils viennent verser toute leur frustration, leur rage sur l'enfant d'autrui. Où est votre humanisme? À un moment donné, on se demande, mais pourquoi est-ce que Paul Bia ne doit même pas vous maltraiter comme il vous, il vous maltraite là? Parfois, on se demande pourquoi le régime Bia ne doit pas maltraiter même les Camerounais là comme il se doit. Parfois, on se dit même qu'il faut même encourager même le régime Bia à bien vous mater comme ça là, parce que c'est ce que vous méritez. Des animaux ne méritent que ça. Bien sûr, je ne globalise pas, je ne généralise pas, mais je parle de, de, des bandes d'individus qui se comportent pire que des animaux-là. Vous n'avez aucun respect pour la dignité humaine. Aucun respect pour la dignité humaine. Vous n'avez aucun respect pour l'être humain. Pourquoi est-ce que les gens vont vous respecter à leur tour C'est ton droit en Venon, de ne pas être d'accord avec moi. Si toi, tu cautionnes qu'on tabasse quelqu'un juste pour, à cause de son orientation sexuelle, je te dis, mon ami, tu as encore beaucoup à apprendre dans la vie. Vous avez encore beaucoup à apprendre dans la vie. Donc on continue le partage euh, euh, rapidement. Dès qu'on atteint au moins 1000 partages avant que je commence, parce que mon coup de gueule de ce soir doit être partagé massivement. Parce qu'il ne faut pas qu'on apprenne à se détourner des vrais problèmes du pays pour verser dans des bêtises, dans des futilités, dans la sauvagerie. Non. Aujourd'hui au moins je vois les commentaires, c'est bien. L'autre jour je ne voyais même pas les commentaires. Donc, on partage, on partage, les gars, on partage rapidement, ça traîne un peu, on partage rapidement, rapidement. D'habitude, en ce moment, si normalement, on est déjà assez nombreux pour commencer le direct. Donc, continuez de partager. Facebook, je sais que Facebook vous combat. Il y en a qui me disent qu'ils ne parviennent pas à partager le, euh, mes lives, qu'ils ne parviennent même pas à commenter, je comprends. C'est pour ça que je vous demande d'utiliser le lien qui est au-dessus de cette vidéo et d'aller vous abonner sur YouTube. Parce que c'est sur YouTube qu'on va faire. On va commencer petit, petit, petit et on va grimper. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde passe sur YouTube. Parce que Facebook, les pages politiques, remarquez bien, surtout les activistes camerounais, remarquez très bien le comportement des pages des activistes camerounais. Vous allez vous rendre compte que les activistes camerounais qui font beaucoup de vidéos, qui font beaucoup de directs, n'est-ce pas, sont combattus farouchement par Facebook. Pourquoi parce que le régime BIA a payé pour ça. On le dit ici tous les jours. Je vous ai demandé, abonnez-vous sur Twitter et abonnez-vous sur YouTube. Mais vous traînez le pas. Le régime BIA a payé Facebook. Je le dis ouvertement encore. Et on vous avait montré les preuves ici. Rappelez-vous, une fois on était allé manifester devant Facebook. Comme par hasard, la semaine qui suivait, nos pages ont commencé à fonctionner normalement. C'est-à-dire, dès que je me connectais deux minutes, comme ça, poum, les gens étaient au moins 2000. Oui, parce que c'est comme ça, quand nos pages fonctionnent normalement. On était allé manifester devant Facebook en France. La semaine qui suivait, la page fonctionnait à merveille, à merveille. Et après maintenant, quelques temps encore, ils ont encore rebloqué. Vous pouvez le constater, depuis on est en live, c'est difficile que les gens se connectent. Eh bien, parce que les gens ne reçoivent pas de notifications. Il y en a qui sont connectés mais qui ne peuvent pas partager. Il y en a qui ne peuvent pas commenter. Donc, abonnez-vous massivement sur nos pages, sur nos chaînes YouTube, sur Twitter, un peu de partout. Faisons le travail normalement. Soyons mobilisés à tout moment. C'est très important. Quand on se répète de temps en temps, ça finit, ça finit par devenir énervant. Donc, euh, bonsoir à tout le monde. Maintenant, excusez-moi un peu. Je sais pas, cette vidéo risque peut-être de, de polluer ma page. parce que Facebook peut bloquer ma page à cause de cette vidéo, parce que c'est une violence. Mais je vais vous montrer, parce que cette page ici, ça n'en vaut plus la peine. S'ils veulent, ils bloquent. Je m'en fous. Je vais vous montrer la vidéo. L'autre dit filme d'abord. L'autre, regardez comment on traite un étudiant. Tout le monde sait que vous savez, l'enfant là vous a fait quoi? Qu'est-ce que le gars là vous a fait? Vous savez, voilà un pays où il y a des gens qui vont à l'étranger qui font ce qu'on appelle le fait, c'est-à-dire ils arnaquent, ils font l'arnaque, ils arnaquent les gens des grosses sommes d'argent, ils arnaquent. Des centaines de millions, ils arnaquent. Ils rentrent au Cameroun avec, ils sont acclamés. C'est-à-dire des voleurs, des bandits, des braqueurs. Ils viennent ici, là, ils braquent les gens, ils arnaquent des familles, ils arnaquent si bien qu'ils prennent l'argent à un chef de famille, si bien que le chef de famille n'arrive plus à nourrir sa femme et ses enfants. Il y en a qui meurent parce qu'on les a arnaqués. Parce qu'un féman est passé sur lui, le gars passe pendre. Il y a beaucoup de cas comme ça là, un peu de partout. Que les fémins camerounais arrivent, ils font le, le, le exé, ils annaquent les, le, 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 les, les pères de famille. Les gars, se, les gars se suicident parce que du jour au lendemain, quelqu'un est venu le tromper et a porté tout son argent. Quand le Féman l'a porté ses pieds, il arrive au Cameroun. Euh, euh, non, 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 non. Karine, s'il te plaît, ne bloque pas, ne les bloque pas, laisse-les, ne les bloque pas. J'ai deux mots pour eux. Ne les bloque pas. Quand on va finir la vidéo, on va finir le direct. Moi-même, je vais me charger de bloquer tous les commentaires nos nauséabonds. Mais pour le moment, s'ils ne bloque personne, s'il te plaît, laisse-les. Ne les bloque pas, parce que c'est à eux que je m'adresse. Je ne m'adresse pas seulement ici à des personnes qui ont la conscience. Je m'adresse exactement à ces homophobes-là, à ces idiots, à ces connards-là, à ces animaux. C'est à eux que je m'adresse. Donc, si tu les bloques, ma vidéo ne sert à rien passer. Je ne peux pas parler aux personnes qui comprennent déjà un peu ce que je dis. Je veux parler aux personnes là qui ne comprennent pas, des personnes qui sont bloquées, des personnes qui sont tordues dans leur tête. Donc, ne les bloque pas encore, s'il te plaît. Voilà. Non, 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 ne les bloque pas encore, s'il te plaît. Laisse-les d'abord. Qu'ils envoient les têtes de mort, qu'ils envoient pas, on n'en a rien à foutre parce que la page, elle est, de, elle est déjà foutue. Donc, ils n'ont qu'à envoyer 10 000 têtes de mort, on s'en fout. Donc, j'étais de disant, ce que voilà donc des gens qui accueillent à grande pompe des arnaqueurs, d'autres des, des braqueurs, des dealers de drogue, des gars qui font du sale. Quand ils arrivent au Cameroun, on les appelle Prési, Prési, Prési. Ils donnent 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000. Allez, oh Prési, Prési, Prési. Voilà comment on les accueille. Des braqueurs, des arnaqueurs. Même au Cameroun, il y a des fémans qui sont acclamés. Quand ils arrivent dans un carrefour, ils donnent deux bières, trois bières, on les acclame. Oui, ça se fait. Au Cameroun là-bas. On acclame les bandits. Voilà donc un pays où des ministres passent le plus clair de leur temps. À détourner l'argent du contribuable camerounais à hauteur des milliards. Je dis bien des milliards. Chaque jour qui passe, il y a des détournements de milliards dans ce pays-là. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Il y a des détournements de milliards. Et les détournements la font en sorte que le train de vie de la jeunesse camerounaise ne peut pas changer. Ça ne peut qu'aller à reculons. Voilà pourquoi quelqu'un a la licence, il a le doctorat, il se retrouve en train de faire le bensicking. Oui, parmi toutes les personnes que vous avez vu tabasser ce jeune-là, il y en a qui ont fréquenté jusqu'à le crayon s'est cassé. Ils n'ont pas eu d'emploi. Hein. Ils ont commencé à faire le bensicking. D'autres le call box. D'autres ils sont là, ils sont, des, ils sont là en train d'irrer. Ils ne savent pas parfois où ils vont. D'autres sont là, ils saoulent seulement. Ils jouent au Paris Foot. Ils jouent au TSC parce qu'ils espèrent miser 100 francs et gagner 100 millions. Pendant ce temps, dans les bureaux, les ministres détournent l'argent sauvagement. Voilà un problème qui s'est posé entre le ministère de la, des Finances et le ministère de la Santé où il y a un problème de 10 milliards qui a disparu. On ne sait où. Personne n'a levé la voix. Voilà la canne où on a dépensé au moins 3 000 milliards de l'argent du contribuable. Ça a disparu. La canne a glissé. Personne n'a levé la voix. Voilà un pays où depuis que Paul Biya est au pouvoir, les détournements ont atteint au moins 18 000 milliards. Donc on a détourné plus de trois fois le budget annuel du Cameroun. Le budget annuel du pays. L'argent qui devait servir à développer le pays, à créer les emplois, créer des usines pour donner des emplois à ces feignants qui passent le temps à tabasser les jeunes dans la rue parce qu'ils seraient homosexuels. Ces jeunes-là. Les voilà en train de faire le Ben en train de faire le call box, en train de jouer au Paris Foot en espérant miser 100 francs et gagner 100 millions. Frustrés qu'ils sont, ils vont venir voir un jeune qui ne leur a rien demandé, un jeune qui est né comme il est né, un jeune qui n'a pas demandé à être comme il est et qui s'assume. Voilà, ils viennent dire oh, homosexuel, tap, 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 on commence à le tabasser comme un bandit. On le tabasse, on le lynche comme un bandit. Comment est-ce que on va respecter les Noirs Vous voyez, quand les Noirs, vous voyez la route de la Méditerranée là, la route du Sahara à la Méditerranée. Dès que tu traverses le Niger, tu entres en Algérie, tu es dans un autre monde. Là-bas, on regarde les Noirs comme des animaux, comme du bétail. Quand tu entres en Libye, alors c'est pire. Les Algériens, même parfois, ils sont un peu. En Libye, c'est pire. En Libye, on vous appelle ouvertement chèvres, animaux. On vous attache, on vous fouette. Je n'ai pas encore vu quelqu'un aller revendiquer devant euh, un Libyen là-bas au Cameroun. Hein? Voilà vos soeurs qui sont maltraitées au Liban. On les attache, on les fouette, on repasse avec le fer à repasser. Je n'ai pas encore vu un Camerounais aller revendiquer chez un Libanais là-bas au Cameroun que pourquoi est-ce que vous traitez nos soeurs comme des esclaves Vos soeurs sont en esclavage au Liban, là-bas au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Vos soeurs fuient la misère du Cameroun pour aller dans les pays arabes où on les traite comme des piques des animaux. Personne d'entre vous ne s'est jamais levé pour aller demander des comptes à ces gens-là que je dis pourquoi vous traitez nos soeurs comme des animaux Non. Vous êtes les premiers à laisser les boutiques de vos frères pour aller acheter les choses encore chez ces mêmes Libanais qui sont installés au Cameroun. Revendiquez ce qui est de droit, ce qui est normal, non. Ça, vous n'êtes pas là. Mais quelque chose qui ne vous concerne pas, vous êtes prêt à tuer. La barbarie vous donne quoi? Depuis qu'on vous dit la voilà l'agent de la canne qui a disparu. Levez-vous, revendiquez. Qui d'entre vous s'est levé Vous avez dit Ah, on va faire comment On va faire comment On va faire comment Vous voyez un jeune qui ne vous a rien demandé Vous le lynchez. Si je réussis à identifier certains d'entre vous, vous irez en prison. Vous vous rappelez des gars qui ont lynché la fille là parce qu'elle aurait volé le téléphone portable Ils sont où aujourd'hui vous irez en prison parce que c'est ce que vous méritez. Je vais m'adresser ici encore aux homophobes qui se, retrouvent, qui se trouvent en Europe Dévoilez-vous, les gars, ne vous cachez pas derrière des profils. Venez juste vous dévoiler, on va vous traiter ici. Venez vous dévoiler, on va vous traiter ici. J'ai oublié, je dis, hein, les gars, vous êtes trop fâchés. Parce que euh, le P Shakiro. Vous êtes trop fâché parce que Shakiro est homosexuel. Vous le lynchez, vous le tabassez. Au point d'attenter à sa vie. Vous voulez tuer quelqu'un parce qu'il serait homosexuel. Et que c'est contre les traditions. Donc, il est de tradition au Cameroun de voler l'argent. Il est de tradition au Cameroun de détourner l'argent, mais pas d'être homosexuel. Non. Ça, non, 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 non. Tu n'as pas le droit d'être homosexuel comme si la personne a choisi d'être homosexuel. Parce que voilà la nuance, hein. voilà la différence. Quelqu'un qui est homosexuel n'a pas choisi hein, d'être homosexuel, il est né comme ça. Donc ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas une maladie, il est juste né comme ça. C'est un peu comme si vous vous mettez à tabasser quelqu'un qui est infime. Par exemple, hein, je n'ai pas dit que je fais une comparaison entre un homosexuel et un infime. C'est comme ça, il est né infime. Il est né infime. Il n'a pas demandé à être infime. Il est né infime et il a appris à vivre avec. D'où vient-il Dans un pays, vous pouvez ne pas être d'accord avec l'orientation sexuelle de quelqu'un. Vous pouvez nous dire, on n'encourage pas ceci, on n'encourage pas cela. Avant de dire encourager, vous êtes d'abord qui pour juger Qui êtes-vous pour juger Parce que ces mêmes personnes qui font, qui se comportent comme ça, ce sont les mêmes personnes qui dans le noir sont pires que Shakiro que vous voyez là. Ce sont des personnes qui dans le noir sont pires que Shakiro que vous voyez là. Les gens qui se comportent comme ça, ils vont dire non, nous on n'aime pas ça. La tradition est montée, c'est descendu. Mais quand vous allez aller voir leur vie dans le noir, ils sont pires que Shakiro que vous voyez là. Vous vous levez, vous tabassez. Soyez même homophobes même. Hein. Vraiment soyez homophobes. C'est votre droit. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous pouvez ne pas avoir la grandeur d'esprit de négliger certaines choses. C'est votre droit. Mais là où moi, je fais ce genre de sortie que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Je fais ce genre de sortie parce que vous attentez à la vie de quelqu'un juste à cause de son orientation sexuelle. C'est de ça qu'il est question ici. C'est de ça qu'il est question ici. Vous attentez à la vie de quelqu'un juste parce que la personne serait homosexuelle. J'ai vu certains là-bas dire que regarde comment il est habillé. Wow, 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 wow. Regarde comment il est habillé. Vous savez, les gars, euh, si vous voulez être cohérent, n'est-ce pas? Hein, il y a la femme ici-là. Euh, on l'appelle Mami Nyanga. Celle qui a les hôtels là. Peut-être, je ne sais pas comment on appelle ces hôtels. La femme d'affaires là, vous la connaissez, non? Mami Nyanga, elle est toujours rasée avec les lunettes là. Elle s'habille toujours en homme. Veste, cravate. Père, chemise bien centrée. Elle s'habille toujours en homme. Donc, elle s'habille en homme. Elle vient là, elle vous prend souvent, elle vous donne les jobs, elle vous fait le trucs. Vous ne la tabassez pas pourquoi? Mais vous allez tabasser un jeune garçon parce qu'il s'habille en femme. Soyez cohérent. Si vous voulez tabasser les gens parce qu'ils se sont habillés en homme ou en femme, soyez donc cohérent, Tabassez tout le monde. Ou alors, il y a vos gouverneurs, il y a vos ministres, hein? il y a vos ministres, il y a vos ministres qui sont aussi euh, des homosexuels. Hein? <laughs> oui, demandez à Grégoire Oona, il va vous dire quelque chose. Il y a vos ministres qui sont aussi homosexuels. Il y a des gouverneurs, des gens que vous appelez aux autorités, aux chefs de terre, qui sont homosexuels. Allez aussi les tabasser. Hein? Allez aussi les tabasser. Soyez cohérents. Hein? Soyez cohérents. Parce que quand votre vie vous dépasse, quand Paul Bia passe le temps à vous torturer, il prend l'argent du Cameroun, il, il, il met sur la chaise, il s'assoit sur ça, il pète. Vous ne dites rien. Vous venez verser votre frustration sur un jeune parce qu'il serait homosexuel, au point de vouloir le tuer. Vous tapez un être humain, vous le déshabillez, vous le. vous, vous le scandalisez comme ça là. Ce jeune homme-là, je le respecte dix mille fois par rapport à vous. Je dis, ce jeune homme-là, je le respecte dix mille fois par rapport à vous. S'il veut que je l'appelle elle, je vais l'appeler elle. Parce que c'est son choix. Dans la vie, chaque être humain est égal à l'autre. Chacun est égal à l'autre. S'il est comme il est, c'est son choix. Ou alors, c'est comme ça qu'il est né. Et vous devez respecter cela. Le Cameroun condamne l'homosexualité, encore qu'il faut prouver qu'il est homosexuel. Quelqu'un peut être là, qu'il l'aime seulement, s'habiller comme une femme. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est homosexuel. Il y a l'un des plus grands milliardaires allemands. Un des plus grands milliardaires allemands. Je vais vous poster sa vidéo. J'ai oublié son nom. Sinon, je tapais sur YouTube maintenant. Je vais vous montrer. Il s'habille seulement en femme. Il s'habille seulement en femme. Oui, un très grand milliardaire allemand. Il vit en Allemagne. Hein? Il va au travail tous les matins en talons avec la jupe et le débardeur des femmes-là, bien centré. Il s'habille seulement en femme. Il n'a jamais dit à quelqu'un, il n'est pas homosexuel. Hein? C'est un homme, il, a, il est bien, bien, il s'habille seulement en femme. On lui pose la question, il dit, il aime s'habiller en femme. Que les femmes s'habillent en homme, pourquoi est-ce que les hommes ne devraient pas s'habiller en femme aussi Il s'habille en femme. Vous avez les vrais problèmes au Cameroun mais vous vous levez pour partir lyncher un jeune juste parce qu'il serait habillé en femme. Vous dites, oh, il est homosexuel, oh, il est pédé, oh, il est cela. Même s'il si est ça, en quoi est-ce que ça vous gêne? Est-ce que c'est Shakiro qui a fait en sorte que vous n'ayez pas d'emploi? C'est Shakiro qui a fait de vous des Ben Ce n'est pas Shakiro. Et si vous êtes trop fâché, allez voir Paul Bihan. C'est lui qui est le, la source de vos malheurs. Ce n'est pas Shakiro. Et le Shakiro que vous avez lynché aujourd'hui. Ce même Shakiro va vous donner des emplois demain. Parce que, oui, comme vous voulez tuer cet enfant-là, nous allons le faire sortir de ce pays-là. Et cet enfant-là va bien vivre, il va arriver ici-là, il va bien vivre, il va construire des maisons là-bas au pays. Et vous serez tous des Bensikineurs, des petits vauriens comme ça-là. Vous allez passer votre vie à souffrir sous le soleil, sous la pluie, pour gagner 100 francs, pour gagner 200. Mais le petit Shakiro que vous avez tabassé aujourd'hui-là sera votre patron demain. Je vais voir comment il va envoyer l'argent là-bas au pays pour construire les maisons et vous allez refuser de travailler parce qu'il est homosexuel. Je vais voir comment vous allez refuser de travailler parce qu'il est homosexuel. Je vais voir comment vous allez refuser de construire sa maison parce qu'il est homosexuel. Oui, parce que nous allons le faire sortir de ce pays-là, de sorcier-là. Vous n'arrivez pas à vous battre pour des vraies causes communes, des vraies causes pour faire avancer le pays, des choses qui peuvent faire en sorte que vous arrêtez de souffrir. Si vous tuez Shakira aujourd'hui, ça va empêcher votre souffrance. Alors que si vous demandez des comptes à BIA, votre vie peut changer. Si vous demandez des comptes à BIA, votre vie peut changer. D'ailleurs, je vais encore vous dire quelque chose. Soyez cohérents. Hein? Soyez cohérents. L'ambassadeur des États-Unis qui est là-bas actuellement au Cameroun, là, il est marié à un homme hein, et il est venu là-bas avec son, son partenaire. Je ne sais pas si c'est sa femme ou c'est son mari. L'ambassadeur des États-Unis, il est là-bas. Hein. Allez aussi le trouver chez lui et vous le tabasser. Hein. Allez le trouver chez lui et vous le tabasser. C'est vous qui partez demander des visas aux États-Unis là-bas, non Les États-Unis là-bas, c'est un pays où on respecte les homosexuels. Hein. Soyez cohérents. Hein. Parce que je suis sûr que chacun d'entre vous là, si on vous donne les visas. Pour partir aux États-Unis, vous allez tous vider le Cameroun. Mais c'est vous qui êtes là au carrefour la nuit en train de tabasser un jeune parce qu'il serait homosexuel. Voilà donc l'ambassadeur des États-Unis qui est là-bas. Il est marié, il est venu. Il est venu là-bas avec euh, son partenaire, avec son mari ou c'est sa femme, je ne sais pas trop. Il vit là-bas au Cameroun. Hein. Pourquoi vous ne partez pas aussi lui demander de partir Que vous, ne vous respectez. Qu doit, il doit respecter vos lois. Ou alors enfermer le nom. Il doit respecter vos lois. C'est à ce même ambassadeur que vous partez demander les visas pour quitter le Cameroun, non? Quand vous êtes aligné le matin à l'ambassade de France, il y a des homosexuels qui travaillent à l'ambassade de France. Hein? Quand vous partez demander, on, on vous fait des interviews et qu'on sort là. Beaucoup d'entre vous ont été interviewés par des homosexuels. Hein? Et il y en a, ils sont pleins qui travaillent à l'ambassade de France, hein? à l'ambassade de Suisse, l'ambassade d'Italie, tout ça. Ils sont là. Et ce sont des pays où on respecte. La dignité humaine. On respecte la façon de vivre de tout un chacun. C'est des pays où l'homosexualité n'est pas un problème. C'est des pays là où vous tous, vous voulez partir. Vous tous, vous rêvez de partir en bain. Voilà la raison pour laquelle vous partez prendre la route du désert. Pour traverser le désert, traverser la Méditerranée, pour venir dans les pays qui sont gérés par les homosexuels. Soyez cohérents. Vous voulez qu'on qu respecte. Vous voulez qu'on respecte les êtres humains comme Noël Antoine Yeugon, je t'emmène. Désolé, mais je t'emmène. Je ne suis pas souvent grossier. Je te déçois. C'est toi qui me donnes à manger. Tu vas encourager qu'on tabasse quelqu'un. Je n'ai pas besoin de ton respect. Je n'ai pas besoin du respect d'un animal. Parce que si tu vois, tu peux être contre l'homosexualité. C'est ton droit. Même ici en France, partout, il y a des mouvements qui sont contre l'homosexualité. Ils sont ouvertement contre l'homosexualité. On dit qu'ils sont homophobes, et ils assument. Ils sont contre l'homosexualité. Chacun est libre de ses avis et de ses choix. Mais ils, personne d'entre eux ne peut tolérer qu'on tape quelqu'un. On tabasse un homosexuel parce qu'il est homosexuel. On le tabasse. D'ailleurs, personne d'entre eux ne peut même tolérer qu'on tabasse quelqu'un. Déjà. Et en plus, on tabasse quelqu'un juste parce qu'il est homosexuel. Je dis, vous n'êtes même pas homophobe. Il y a des gens ici qui sont aussi homophobes, plus pires que vous. Ils s'expriment, ils, ils disent non. Si c'est dans leur famille, non, ils n'acceptent pas, ils n'aiment pas ça parce qu'ils veulent procréer, ils veulent, ils veulent, ils, veulent. ils ont leur raison. Donc, moi ici, je suis en train de dire que je m'indigne parce qu'on tabasse un être humain juste parce qu'il serait homosexuel. C'est de la même façon que je me suis indigné ici parce qu'on avait tabassé des bandits, on les a brûlés. C'est sauvage. On avait tabassé des bandits, on les a brûlés. C'est la même façon que je me suis indigné ici. Donc, quand on parle, réfléchissez bien. Captez bien de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler ici du respect de la dignité humaine. Vous ne pouvez pas tabasser un être humain de la sorte parce qu'il serait homosexuel. Vous n'aimez pas les homosexuels, c'est votre droit. Tout comme c'est son droit d'être homosexuel. Si vous n'aimez pas, n'aimez pas, mais ne le touchez pas. C'est tout. Ne le touchez pas. Si la loi constate qu'il oh, est homosexuel, machin, truc, ok, il n'y a pas de problème. La loi va se, va se charger. D'ailleurs, dernièrement, il était en prison. Pourquoi on l'a libéré Pourquoi on l'a libéré Donc quand celui-là vient dire tu me déçois, je dis je t'emmène. Parce que si tu es là et que tu peux cautionner, qu'on tabasse un être humain de la sorte pour rien, qu'on le linge pour rien, comme ça là. Eh bien, je n'ai pas besoin de ton respect. Je n'ai pas besoin du respect des personnes comme toi, comme vous là, toutes les personnes qui vont venir ici vociférer là. Je n'ai pas besoin de votre respect. Soyez homophobes. C'est votre droit. Il y en a qui sont contre le mariage euh, 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 des jeunes. Et il y en a que le mariage, le mariage des jeunes fait partie de leur tradition. C'est comme ça. Mais on s'en fout. Le débat n'est pas là, monsieur. Au Cameroun, l'homosexualité est condamnable, mais on s'en fout. L'homosexualité est condamnée au Cameroun. Qui, qui a dit le contraire? Et c'est pour ça qu'on va lyncher un jeune parce qu'il est homosexuel. C'est pour ça qu'on va le lyncher. Demain, tu accouches ton enfant. Envoie-le, il devient homosexuel. Envoie-le en route qu'on le lynche. Mais laissez l'enfant d'autrui. C'est tout. Et ce petit-là, je vais lui dire quelque chose avant de continuer cette vidéo parce que je suis très en colère. Parfois quand je suis en colère, je perds mes mots. Euh, Shakiro, tu sais mon petit, porte tes pieds, tu vas à l'ambassade des États-Unis. Pendant que tu y es, tu portes tes pieds, tu vas à l'ambassade des États-Unis, tu dis que ta vie est en danger, on va t'accueillir là-bas. Tu vas raconter ton histoire tout, tout, tout. Tu, le, tu demandes de l'asile politique. Si tu ne peux pas aller à l'ambassade des États-Unis, va à l'ambassade des Royaumes-Unis. La diaspora va se battre pour, pour que ton dossier avance et ils vont te faire sortir de ce pays-là. Ils vont t'envoyer soit au Royaume-Uni, soit aux États-Unis. Donc, choisis l'une des deux ambassades-là. Tu vas. Comme tu parles anglais, c'est. Va à l'ambassade des Royaumes-Unis. L'ambassade des, des, des Royaumes-Unis. Royaume Va là-bas au consulat des Royaumes-Unis. C'est ne pas si c'est l'ambassade ou si c'est le consulat là-bas chez vous. Vas-y. Tu, tu sonnes à la barrière. Dans l'état dans lequel tu te trouves, même si c'est possible. Ou alors, tu sonnes à la barrière. Ils vont te recevoir. Vas-y. Demain, c'est lundi. Tu y vas. Tout simplement. Ils vont te recevoir. Ou alors tu vas à l'ambassade des États-Unis. Ils vont te recevoir. Tu leur expliques ta situation. À l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur est, est homosexuel. Donc quand il va, tu vas lui expliquer ce que tu as vécu. Je suis sûr qu'il va se charger personnellement de ton cas. Et ils vont te faire partie de ce pays-là. Et demain, ces petits vauriens qui t'ont tabassé là seront toujours des souffreteux. Mais toi, ta vie va changer. Et tu auras la possibilité de te moquer d'eux. Tout simplement. Tu auras la possibilité de te moquer de parce que c'est cruel. Des gens sont là, ils ont faim. Au lieu de se battre contre les gens qui détournent leur argent tous les jours, ils viennent se mettre à tabasser l'enfant d'autrui parce que euh, il est homosexuel. Vous le tabassez, vous le déshabillez en route. C'est quoi ça C'est quelle sorcellerie ça Et vous voulez que les, les gens vous respectent Mais dans le noir, on, dans le monde, dans beaucoup de pays, on sur l'homme noir à cause de ce genre de comportement quand est-ce que vous allez vous respecter quand est-ce que vous allez changer tu accouches ton enfant tu l'appelles cyril tu l'appelles euh, brice tu l'appelles je ne sais pas quoi les noms des occidentaux hein. tu prends les noms des occidentaux tu donnes à tes enfants donc tu épouses la culture occidentale et en même temps tu dis que non dans ma culture camerounaise vraiment Oh, on ne connaît pas l'homosexualité. Qu'est-ce que tu en sais L'homosexualité existe depuis que la sexualité existe. L'homosexualité existe ici en Europe depuis, mais l'Europe est construite. Le continent européen est construit. Pourtant, l'homosexualité existe ici depuis la nuit des temps. La majorité même des personnes qui ont construit ces continents à gauche, à droite, là, beaucoup d'entre eux étaient des homosexuels. Ils ont construit. Voilà le Cameroun, vous qui n'êtes pas homosexuel, là, votre pays est comment Dites-moi, votre pays est comment Vous qui n'êtes pas homosexuel au Cameroun, là, c'est comment On casse vos maisons tous les jours. Vous mourrez sur les routes tous les jours parce que la route est tellement petite. Vous, vous mourrez de faim, vous n'avez pas d'eau potable. Voilà, les agents sonnels qui sont partis mourir sur les poteaux parce que vos installations électriques sont archaïques. Vos installations électriques sont archaïques. Voilà les conséquences. Des agents sonnels qui partent mourir sur un poteau électrique. Hein Votre pays est construit. La route qui quitte de Douala à Yaoundé est une route dessus. La route qui quitte de, de, de Yaoundé à Bafoussam, Bafoussam-Douala, machin, c'est une route dessus. Ce sont des routes. Vous avez l'eau potable. Toi qui as la licence, tu fais le Ben -sikin. tu viens arrêter un enfant, ou tu le tapes parce qu'il est homosexuel. Là, ta vie à quel niveau ton, ton parent t'a accouché pour faire le Ben Si ta vie a trébuché comme elle a trébuché, là, c'est à cause de Shakiro. Je vais encore me répéter ici parce que je vois certaines personnes là qui, qui, qui disent que c'est un peu difficile pour eux de, de, de partager le live. Il y a un lien, mon lien YouTube. Mon YouTube, c'est Max Seigneur Officiel. Donc, allez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Max Seigneur Officiel. On va faire beaucoup de vidéos, beaucoup de lives là-bas. Il y a la grande messe qui va recommencer. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire sur le, ma chaîne YouTube. Passez Facebook. Même la nouvelle page. Dites-vous, la nouvelle page Facebook que je venais de créer là, hein, elle est restreinte. Hein. La nouvelle page Facebook, là, elle est restreinte. La nouvelle page que je venais de créer là, 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 on a restreint encore. Donc vous comprenez que Facebook nous combat à fond parce que le régime BIA, Facebook est décentralisé. Vous savez qu'il y a des équipes euh, à Facebook Afrique, Facebook Cameroun, Facebook Ceci, machin. Truc. Donc Facebook, euh, le régime BIA a mis beaucoup d'argent pour qu'on nous muselle. Sachez-le. Pour qu'on nous muselle. Observez bien. Les, 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 observez très bien. Vous allez voir. Donc allez sur YouTube. YouTube n'a pas ces problèmes-là. Sur YouTube, dès que tu respectes les, les standards, c'est parfait. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes voir sur YouTube maintenant. Facebook, c'est la bêtise. Tout ce qui fait la promotion sur Facebook, c'est la comédie, le ça Voilà tout ce qui, c'est tout ce qui marche sur Facebook, c'est la comédie et le ça Si tu fais déjà, tu es un activiste politique sur Facebook, mon ami, pas de problème, ne t'inquiète pas, tu seras bien restreint. Malheureusement, c'est ça. Donc, j'étais en train de dire quoi Certains vont venir ici dire Ah, il ne faut pas encourager l'homosexualité, il ne faut pas. Avant d'encourager, déjà, dis-moi d'abord si tu es juge. Parce que quand tu n'as pas la possibilité d'empêcher quelque chose, pourquoi est-ce que tu vas même chercher à encourager ou à t'intéresser à la chose Qui d'entre vous a la possibilité d'empêcher à quelqu'un d'être homosexuel Vous n'avez pas cette possibilité. Mais vous avez la possibilité de chasser via du pouvoir. Vous avez la possibilité de changer vos vies. Vous avez la possibilité de jouir des richesses de votre pays. Mais vous ne le faites pas. Parce que vous avez peur. Il y a des petits policiers qui vous maltraitent. Ils marchent sur vous. Ils vous piétinent. Parce qu'ils portent la tenue. Vous avez peur de revendiquer vos droits. Vos droits sont bafoués. Matin, midi, soir, vous avez peur. Mais c'est sur un enfant qui ne vous a rien demandé que vous venez faire. Votre, votre frustration, votre bêtise, votre sorcellerie. Non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Les personnes qui sont les responsables de vos problèmes, ils sont au pouvoir. Vous les connaissez tous. C'est à cause d'eux que vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez rien. Ce sont eux qui sont responsables de vos problèmes. L'enfant là, il ne vous a rien demandé. L'enfant là, il ne vous a rien demandé. Et ce n'est pas avec votre corps qu'il fait ce qu'il fait. Ce n'est pas avec votre corps. Donc quand on part du principe que vous ne pouvez pas empêcher quelque chose, ça ne sert à rien de s'intéresser à cela. À rien du tout. Mais j'ai même appris, on m'a dit qu'il y a... Euh, 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 comment dire des, des, des homosexuels qui se sont mariés ici, qui sont partis au Cameroun, tout, 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 tranquille, tranquille. Mais pourquoi vous ne les avez pas aussi tabassés Si vous voulez être cohérent, pourquoi est-ce que vous ne les avez pas tabassés Non. À un moment donné, grandissons un peu. Réfléchissons un peu plus. À un moment donné, dites-nous que mais. Euh, Disons-nous, excusez-moi, que mais. La vie de celui-là m'intéresse en quoi Je vais vous dire, la prostitution. C'est le premier, le plus vieux métier au monde. Hein. Il y avait déjà des prostituées ici, là, euh, partout en Occident, partout. Est-ce que ça a empêché que l'Occident soit développé Tous les mots que vous citez là, homosexualité, prostitution, dépravation des mœurs, toutes tout, tout ces histoires dormies debout là, ça n'a jamais empêché un pays de se développer. D'ailleurs, euh, vous voyez le Luxembourg, l'un des plus beaux pays en Europe, si ce n'est le plus beau. Vous voyez l'Australie. Les États-Unis, la France, la Suède, la Norvège, ces pays sont beaux, développés. L'Allemagne, ces pays sont beaux, développés. Au Luxembourg, les, les homosexuels se marient. En Suisse, les homosexuels se marient. D'ailleurs, Paul Biappa, en Suisse, chez les homosexuels, pour se reposer avec votre agent, hein. Soyez cohérents. Hein. Soyez cohérents. Les entreprises qui viennent là, Là-bas, au Cameroun, là, c'est-à-dire euh, 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 comme Razel euh, ou bien certains. Tu, si tu vas regarder dans Razel, tu vas voir qu'il y a des cadres de Razel qui sont homosexuels. Donc, si Razel veut t'employer, refuse. Tu dis que non, je ne travaille pas pour les homosexuels. Le FMI qui donne l'argent, que Paul Bia détourne tous les jours là, est dirigé, il y a des homosexuels le FMI partout. Donc, si vous voulez être intelligent, dites à Paul Bia de ne plus prendre l'argent du FMI parce que c'est l'argent des homosexuels. D'ailleurs, la France même qui vous donne l'argent là, la France est un pays aussi où on respecte les homosexuels. C'est la culture française. Parce que vous parlez de culture, non, respectez-vous. Respectez votre culture. Je ne peux pas détester les gens et je prends leur argent. Si tu détestes le porc, ne mange pas la viande du porc. Si vous êtes trop grand, vous êtes trop fort, vous respectez trop vos cultures, ne prenez plus l'argent des Français, ne prenez plus l'argent des Occidentaux, ne prenez plus l'argent des gens, développez-vous, construisez-vous, développez-vous. Parce que les agents que vous entendez, les le, 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 3 000 milliards, les machins, 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 ça vient des homosexuels aussi. Les entreprises que Paul Bia est parti prendre pour construire les stades qui n'ont jamais abouti là, il y a des homosexuels qui y travaillent. Donc soyez cohérents. Hein. Soyez cohérents. Si vous n'aimez pas les homosexuels, vous voulez tuer tous les homosexuels, non Parce que vous êtes en train de tabasser un jeune juste parce qu'il est homosexuel. Ça veut dire que vous êtes des meurtriers. Vous voulez tuer quelqu'un parce qu'il est homosexuel. D'accord. Ne prenez plus l'argent des homosexuels. Tout simplement. Il faut rompre les liens avec le FMI, avec la Banque mondiale. Il faut rompre les liens avec la France. D'ailleurs, les, les panafricains comme Bandakani, que vous encouragez tous les jours, seront contents. Il faut rompre les liens avec la France. Ne prenez plus les armes de la France, parce que c'est la France qui a équipe les militaires, le billet et consorts. Ça va même résoudre beaucoup de vos problèmes. Comme ça, les policiers n'auront plus les armes à feu pour vous menacer. Oui, parce que tous les armes à feu que vous avez chez les policiers-là. Ça vient de, des pays où on respecte l'homosexualité, où la culture respecte l'homosexualité. Et donc, si vous voulez respecter votre culture, ne prenez pas l'argent ou ne prenez pas les choses des homosexuels. Chassez tous les homosexuels du Cameroun. Il n'y a pas de problème, chassez-les. Si vous voulez être cohérent, chassez-les. Voilà. Merci beaucoup, Manga Liberté. Ne portez plus Gucci, parce que Gucci est fabriqué par les homosexuels. Il y a beaucoup d'entre vous là qui portent Adidas, ils portent Nike. Ils portent les, les marques, toutes les grandes marques étrangères. Tu vas voir quelqu'un va venir s'asseoir avec euh, l'habit Coco Chanel. Il dit vraiment, hein, hein, les homosexuels là-même, c'est contre notre culture. Mais ils portent un habit qui a été fabriqué par des homosexuels. Mais on peut être bête comme ça. Les gars, fabriquez aussi vos marques de vêtements. N'achetez plus. Les, 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 les grandes marques là, que ce soit Adidas, que ce soit Puma, que ce soit quoi. Parce que dans toutes ces entreprises-là, dans toutes ces entreprises-là, les homosexuels y travaillent. Ne portez plus Dior. Oui. Ne, ne, les parfums, tout ça. Ne, non, 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 non. Comme ça, là, ça va faciliter aussi la production locale, non? Bande d'idiots. Bande d'idiots. On vous demande de vous battre pour votre avenir. Vous êtes en train de vous occuper de la vie des gens. Battez-vous pour votre avenir, bon sang. Battez-vous contre ceux qui sont en train de détruire le Cameroun. Battez-vous contre ceux qui prennent l'argent, qui bouffent l'argent du Cameroun matin, midi, soir. Battez-vous contre les gens qui abusent de vous matin, midi, soir. On casse vos parents, on les jette à la rue. Vous construisez la maison, on vient détruire, on vous jette à la rue. Battez-vous contre les gens qui tuent les Camerounais matin, midi, soir. Battez-vous contre eux. Ceux qui sont les, les dirigeants là, ce sont eux votre problème. Parce que si vous avez des emplois dignes, si vous avez votre vie, je suis sûr que vous n'allez même plus savoir si quelqu'un est homosexuel ou, ou quelqu'un n'est pas homosexuel. Vous n'aurez plus le temps là, parce que vous aurez le temps à autre chose. Battez-vous contre ce gouvernement kleptomane, parce que c'est eux qui sont la source de vos malheurs. Ce n'est pas Shakiro. Battez-vous contre ce gouvernement parce que ce gouvernement passe le temps à piller les fonds publics. Battez-vous contre les gens comme Jean de Dieu Momo, contre les gens comme Grégoire Ona. Voilà les plaies du Cameroun. Battez-vous contre les gens comme Ndongo, contre Paul Bia Voilà vos vrais ennemis parce que ceux-là, ils prennent l'argent du Cameroun, ils s'asseyent dessus, ils bouffent. Ça fait en sorte que le pays n'est pas construit. Ça fait en sorte que vous n'ayez pas d'emploi. Vous n'avez pas d'emploi, vous souffrez. Vous n'arrivez même pas à manger avec 500 francs. On vous dit que le SMIC c'est 36 000, mais un ministre a les bons de carburant de 2 millions par jour. On vous dit que le SMIC c'est 36 000, mais un député touche en, en moyenne 1 million de francs pas chaque mois. Sans compter ses bons de carburant, hein, sans compter son allocation au logement, sans compter tous ses avantages. Hein. Mais on te dit toi, toi qui pars tabasser Shakira, tout ce que tu mérites, c'est un SMIC de 36 000. Battez-vous contre les détourneurs des fonds publics. C'est ça les vrais problèmes du Cameroun. Battez-vous contre ceux qui ont créé les problèmes du Cameroun. Parce que Shakira, il va partir du Cameroun. Hein. Vous n'allez plus le voir. Mais il va être ici, il va travailler, il va envoyer l'argent au Cameroun. Et c'est encore vous, les bâtards là. Vous allez prendre cet argent et construire les maisons pour lui. Et quand il va revenir, il va rouler dans des grosses voitures. Vous serez là en train de le regarder sur votre moto comme ça. Parce que lui, si vous ne vous battez pas, Shakiro va venir en Occident, il aura assez d'argent. Il va encore revenir là-bas comme on, et vous n'allez plus rien lui faire. Parce qu'il sera plein aux as. C'est ça votre problème. Tous les homosexuels qui ont beaucoup d'argent là, qui sont là-bas au Cameroun, vous les connaissez, mais vous ne faites rien. Vous attrapez le pauvre petit Shakiro parce qu'il n'a pas d'argent, il n'est rien. Parce qu'il n'est pas le fils d'un milieu, parce qu'il n'est pas ministre. On va le faire sortir de ce pays parce que c'est un être humain, avant toute chose. Et nous, on respecte les êtres humains. Si je n'avais pas de respect pour les êtres humains, c'est que je ne me bats pas comme je me bats là pour vous. Je me bats, je me sacrifie comme je me sacrifie pour vous là. Parce que j'ai du respect pour l'être humain. J'estime que les êtres humains doivent vivre dignement et décemment. Voilà pourquoi je me bats pour vous. Voilà pourquoi je combats pour le bien. Sinon, chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Pour le vous me comme ça parce que vous méritez ça. Maintenant, nous, de notre côté, on essaie de se battre pour que ces choses-là changent. Chakirola, il va sortir du Cameroun. Comme c'est lui qui est, qui est la source de vos malheurs, il va sortir du Cameroun et on va voir comment vous allez arrêter de souffrir. On va voir comment vous allez arrêter de faire le ben On va voir comment vous allez arrêter d'être des errants. On va voir comment vous allez arrêter de jouer au Paris-Foot à 100 francs en espérant gagner 100 millions. Vous allez jouer comme ça toute votre vie. Pendant ce temps, Shakiro va venir dans des pays où on le respecte. Il va vivre, il va prospérer, il va évoluer. Vous serez toujours là-bas. Après un matin, vous allez vous lever. Vous allez prendre la route du, du désert, le Sahara, marcher à pied. Vous allez dire que je ne pars aussi en Ben, je pars en Europe. Je ne vais pas prendre la route de la Méditerranée. Vous allez dire ça. Parce que le, pays, le Cameroun, le pays est chaud. C'est chaud au pays. J'ai tout fait. Ça ne marche pas. Vous allez maintenant aussi sortir pour aller en Ben. Les gars, soyez cohérents. Personne d'entre vous. Et personne d'entre vous ne doit prendre le Sahara. Parce que si quelqu'un d'entre vous la prend le Sahara avec l'intention d'aller en Europe, il va mourir. Parce que karma is a bitch, hein? Tu ne peux pas dire que, oh, tu t'abattes, tu veux tuer un être humain parce qu'il est homosexuel, mais tu vas prendre tes pieds pour traverser le désert, traverser la Méditerranée pour aller dans un pays où on respecte les homosexuels. Tu vas partir là-bas pour dire que tu peux aussi te battre. Tu peux te battre dans le pays des homosexuels alors que tu veux tuer les homosexuels dans ton propre pays. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Rien que pour ce que vous avez fait. Vous avez mis l'enfant d'autrui en prison. Vous l'avez maltraité. Vous l'avez maltraité juste à cause de son appartenance euh, sexuelle, de son orientation sexuelle. Vous l'avez maltraité. Nous allons nous battre. Moi, <laughs> vous savez que nous, nous, là, quand on décide, on fait. Nous allons nous battre. On va faire sortir l'enfant-là de ce pays. Puisque vous le chassez du Cameroun, donnez-le-nous. On va le faire sortir de ce pays-là. Nous allons soutenir son dossier. Il va sortir de ce pays-là. Il va venir dans un pays où il va vivre dignement. Où on le respecte. Il va se battre. Il va s'en sortir. Il va envoyer de l'argent dans ce pays-là encore. Et c'est vous qui allez travailler pour lui. Vous allez travailler pour ce jeune-là. C'est un défi. Comme vous voulez le tuer parce qu'il est homosexuel. Vous allez comprendre. Quand il va partir du pays-là, j'espère que vos vies vont changer. J'espère que quand tu vas partir à l'hôpital central, on va te soigner sans te demander l'argent. J'espère que quand Shakiro vous allez, vous allez le chasser, il va partir du Cameroun là. J'espère qu'il y aura les routes. Hein. J'espère que Néon ne va plus couper l'électricité pendant une semaine. J'espère que vous aurez l'eau potable. J'espère qu'il y aura les ambulances. J'espère qu'il y aura les sapeurs pompiers parce que un pays où il n'y a même pas de sapeurs pompiers, c'est Rwanda. J'espère que le pays là sera développé quand vous allez finir avec Shakiro. Parce que Shakiro, il va partir du pays là. On va le faire partir. Il va partir et quand il va partir, on va faire des vidéos ici. On va vous demander que les gars, c'est comment, non? Vous êtes-vous Ben Sikiner, Vous êtes où, Colboxer? Vous êtes-vous là, vous allez dire, ah, c'est notre coutume, c'est notre tradition. Il est aussi de votre tradition d'être des misérables. C'est tout. Il est de votre tradition d'être des misérables. Si vous êtes incapable de vous battre pour changer vos vies, vous serez misérable à vie. Et oui, merci beaucoup pour ce hashtag, grâce Wandi, I am Shakiro. J'invite tout le monde à mettre ce hashtag sur toutes vos publications. Ça va faire en sorte que son problème soit résolu et il va sortir de ce pays-là. Parce que si cet enfant reste dans ce pays-là, il risque de le tuer. Sauvons une vie. En, L'envoyer en prison pour rien, ça ne les a pas, ça a, non, ça n'a pas suffi. Il faut encore se comporter comme des mécréants, comme des animaux. Ayam Shakiro, oui, pour les tuer tout le monde parce que les gens sont homosexuels. Oui, je suis aussi homosexuel, venez me tuer alors. Venez me tuer. Je soutiens Shakiro parce qu'il est un être humain. Il est homosexuel, tant mieux pour lui, je m'en fous, parce que je ne suis personne pour le juger. Il vit sa vie comme il l'entend, le, comme, comme il le veut. Il est un être humain. Le sang qui coule dans ses veines, c'est le même sang qui coule dans mes veines. Donc je n'ai aucun droit de m'occuper de sa vie privée parce que la vie privée de quelqu'un, c'est sa vie privée. Je m'occupe de la vie publique, de celui qui est à la tête de mon pays, qui détourne l'argent avec sa famille. C'est de ça qu'il est question. Donc... Mes chers frères et sœurs, après avoir fait ce coup de gueule, je vais encore vous rappeler d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, Max Seigneur Officiel. Le lien se trouve sur l'en-tête de ce direct. Et je vais dire à mes frères africains noirs d'arrêter avec la sorcellerie, d'apprendre à respecter l'être humain. Quand vous allez apprendre à respecter l'être humain, beaucoup de choses vont changer dans vos vies. Vous n'aurez plus de mauvais dirigeants. Il faut apprendre juste à respecter l'être humain. Apprenez à respecter la dignité humaine, à valoriser la dignité humaine. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans vos vies. L'Africain est encore derrière, comme les fesses aujourd'hui, malgré toutes les richesses que l'Afrique détient. Juste parce que l'être africain, le noir, ne connaît pas le respect de la dignité humaine. Il ne connaît pas la dignité humaine. Il ne connaît pas valoriser la dignité humaine. Avant de finir cette vidéo, je voulais faire une petite vidéo spéciale. Mais avant de finir cette vidéo, je vais passer un dédicace très particulier ici à une maman, à une dame qui connaît ce que c'est que le respect de la dignité humaine. J'ai vu la vidéo de cette maman. Je croyais que les larmes étaient finies dans mes yeux tellement j'avais pleuré les affaires du Cameroun. Mais la lame a coulé comme ça là. Moi-même, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de pleurer. La reine galloise, c'est comme ça là qu'on l'appelle sur Facebook. Maman, merci, merci pour ce que tu as, tu fais. J'ai vu deux de tes vidéos. J'ai vu comment tu es parti délivrer un enfant qui était enchaîné juste parce que l'enfant était malade. Regardez à quel point un peuple peut être indigne. On attache un enfant, on l'enchaîne juste parce qu'il est malade. Il est autiste. Il a besoin d'amour. Il a besoin d'être câliné. Il a besoin d'être cajolé. Juste parce qu'il est autiste, on l'enchaîne. J'ai vu cette vidéo, la larme a coulé comme ça. J'ai dit Mon Dieu, mon Dieu, voilà le peuple pour lequel on se bat. Et il y a les voisins qui voient, ils ne disent rien. Mon Dieu. La reine galloise, merci beaucoup, ma mère. Je vais faire une vidéo spéciale juste pour te remercier parce que ce que tu as fait, c'est juste formidable. Et je t'encourage. Et j'encourage toutes les personnes qui me suivent à aller féliciter cette maman et à l'encourager dans son entreprise. Parce que les enfants autistes, ce sont des enfants. Ils sont nés peut-être avec une déformation, soit mentale ou autre. Mais ce sont des enfants. Et ils doivent être considérés comme tous les autres enfants. À la seule différence, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'amour. Il y a les enfants autistes ici, partout. Ici, ils sont là, partout. Le gouvernement prend soin d'eux. Le gouvernement prend soin d'eux. Mais là-bas au pays, un enfant autiste est abandonné à lui-même. Sa maman croit que c'est la sorcellerie. Pourtant, l'enfant est juste né différemment. Merci d'ouvrir les yeux. Et je pense que je vais faire de ça aussi notre combat. Vraiment, la reine galloise, vraiment, merci beaucoup, ma mère. C'est ça qu'on appelle le respect de la dignité humaine. Ce n'est pas son enfant. Non, ce n'est pas son enfant. Mais elle a, elle a vu, elle s'est déplacée, elle est partie. Elle a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Vous ne pouvez pas traiter un enfant de la sorte. Et apparemment, ce n'est pas la. Elle, elle le fait constamment. Elle a fait ça plusieurs fois à plusieurs enfants différents, dans plusieurs familles différentes. Elle a même une association qui prend soin des enfants comme ça. Donc je vous encourage à aller l'encourager, même financièrement, si vous avez les moyens. Encouragez-la parce que je comprends ce combat. On doit apprendre à respecter la dignité humaine. Voilà. J'espère passer ce message pour ceux qui sont en contact avec Shakiro. Va à l'ambassade des États-Unis ou bien à l'ambassade du Royaume-Uni. Avec les vidéos qu'ils ont faites là, parce qu'il y a ça sur YouTube, et Facebook déjà partout. Avec tout ça, tu dis que tu demandes l'asile, tout simplement. Tu vas expliquer tout, 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 tout. Et ils vont te faire voyager. S'ils ont besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. Nous allons soutenir ce dossier. Et ils vont te faire voyager. Nous allons médiatiser ce dossier-là. Ils vont te faire voyager. Nous allons aller rencontrer les associations des LGBT, ici, là, là où nous sommes là. Nous allons aller rencontrer les associations des LGBT. Ils vont mettre la pression à leurs autorités là-bas. Ou alors ils vont mettre la pression aux autorités ici. Et les autorités ici vont envoyer le mot d'ordre là-bas. On, on va te faire voyager. Va à l'ambassade des États-Unis ou à l'ambassade du Royaume-Uni. Va là-bas et demande l'asile. Nous allons rencontrer les associations LGBT ici. Nous allons montrer ces vidéos. Nous allons montrer tout ça. Nous allons montrer comment est-ce qu'ils t'ont écroué en prison juste parce qu'ils soupçonnent que tu sois homosexuel. On t'a condamné à 5 ans. Il a fallu des tractations internationales pour qu'on te libère. Et voilà qu'on veut te tuer. Donc, vas-y. Ne perds pas le temps. Vas-y. Et ils vont te faire voyager. Parce que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Oui, ils vont te faire voyager. On a tenté à ta vie. Ta vie est en danger dans ton pays. Les autorités de ton pays ne peuvent pas te protéger. Voilà les deux raisons pour lesquelles tu es partant pour l'asile. Ils vont te donner ça. On a essayé de te tuer dans, ta, dans ton pays. Et les autorités de ton pays ne peuvent pas te protéger. Du moment où les autorités de ton pays ne peuvent pas te protéger, pendant qu'on essaye de te tuer, au vu et au su de tout le monde, va bah seulement, tu demandes l'asile. C'est tout. C'est tout, hein Nous, on va encourager, on va aller rencontrer les associations LGBT ici. On va parler de ton histoire. Et eux, ils ont une puissance ici, là, que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils ont une puissance phénoménale ici. Oui, parce que ce sont des gens qu'on protège et qu'on respecte. Qu on, on les protège contre des, 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 des sorciers comme ceux que vous avez vus là. Tu as besoin de la protection internationale et tu l'auras. Et quand ta vie va changer, tu vas vivre dans des pays où on va te respecter. Tu auras une dignité. Tu peux continuer même l'école si tu veux. Tu vas devenir quelqu'un. Tu vas partir demander le travail quelque part. On ne va pas dire que, comme tu es un homme qui est habillé en femme, on va te refuser le travail. Non. On va regarder tes compétences et on va te donner le travail. Si tu as des grandes compétences, on va te donner un travail et avec un salaire. Un salaire qui va avec. Et tu vas vivre décemment par rapport à ces idiots-là qui t'ont tabassé là. Tu vas vivre décemment. Et quand ils vont te voir sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre eux vont t'envier. Beaucoup d'entre eux vont t'envier. Et au moins, ta vie va changer. Et tu pourras au moins vivre. Parce que ce pays-là, franchement, ça n'en vaut pas la peine. Les gars, c'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai. Très certainement.